Tuto Droid, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de comment installer GTA 5 Android et on va ouvrir ça. Et maintenant on voit bien que ça s'ouvre et là vous allez apercevoir une pub avant. Moi ça me fait toujours une pub avant que ça commence, toujours. Donc vous allez retirer la pub et maintenant vous allez voir ça. Donc les gens au fond là on voit bien que ça c'est le mot Chiliad je crois. Et maintenant on va appuyer sur Start the Installation. Et aujourd'hui on regarde si on peut télécharger GTA 5 sur Android. Donc je vais vous couper la scène puisque le temps de téléchargement est très long. Voilà que le téléchargement est presque terminé. Donc nous pouvons accéder à l'autre page qui va s'ouvrir dans un instant. Voilà. Vous allez me dire dans les commentaires si vous entendez des bruits bizarres. C'est mon tabouret puisque je suis assis dessus. Comme il est molle, ça fait quelques bruits. Donc maintenant on va mettre create a shortcut on your home screen et choose language. Moi spécialement, moi c'est French. C'est French pour ceux qui savent pas que French ça veut dire français. Ensuite start the game after installation. Donc install. Et voilà. Il y aura encore un chargement. Donc on va se retrouver dans un moment. Et voilà que le téléchargement est stoppé. Et arrêté et fini bien sûr. Voilà. Donc nous allons entrer une clé. Donc moi je vais mettre comme ça. Je vais mettre tuto droid. Hop. Tuto droid. Maintenant on va faire procède, vous allez attendre, puis vous allez cliquer sur click here to order activation key free. Vous me dites dans les commentaires si vous aimez mon petit accent américain. Moi je suis indien, donc voilà, indien d'Amérique, donc amérindien. Et on va cliquer sur order activation key. Et voilà le problème, c'est qu'il y a une pub. Donc un knob, unlock this badge. Donc nous, ils nous disent télécharge les meilleurs sons de Black M, obtenez une lampe de poche pour votre mobile ou obtenez la nouvelle souris de Black M. Donc moi je vais mettre une lampe de poche. Mais après, vous allez voir ce qui va se passer. Donc déjà, on va inscrire notre numéro de téléphone. Donc moi, je vais mettre un faux numéro. Donc 12, 34, 56, comme ça. C'est pas mon numéro. Et pour ceux qui essayent de m'appeler, vous pouvez toujours essayer. Ça ne marchera pas. Et voilà. Donc c'est marqué, votre commande n'a pas pu aboutir. Pour votre sécurité, SFR n'autorise pas les achats depuis un hotspot Wi-Fi ou sur une ligne ADSL. Donc ceux qui comprennent ça, vous allez me le dire dans les commentaires. Qui n'est pas la vôtre. Ah ok. Si vous êtes connecté sur CFR Wi-Fi public ou CFR Wi-Fi mobile, modifiez votre point d'accès et renouvelez votre achat depuis votre box SFR. Donc je vais le faire tout à l'heure mais avec mon vrai numéro et je vous fais une prochaine vidéo si ça a marché. Donc l'espace de distance. Donc on se dit au revoir. Vous me dites dans les commentaires si pour vous ça a marché, vous me l'envoyez directement en commentaire. Vous pouvez me le faire en message sur Google Plus aussi, ça me dérange pas.
sur ma et surtout aller voir ma deuxième chaîne Gaming 360. Donc gaming avec un grand G et le reste c'est petit. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée.